Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Univers de Nada. Aujourd'hui, je vais faire de la charva algérienne avec un semen, les galettes au beurre. Pour un semen, il nous faut de la semoule extra fine, vous prenez la quantité que vous voulez, du sel. Le sel varie en fonction de la quantité de la semoule. Et de l'eau. On mélange tout ça et on le met au pétrin 5 minutes. Après 5 minutes au pétrin, vous pouvez la faire à la main, mais au pétrin c'est plus facile et rapide. On obtient une pâte molle, élastique. On vient faire des boules de la taille d'un œuf. Moi j'ai déjà commencé. Je vais vous montrer comment on fait. On prend un bout de la pâte, on vient la faire comme ça et on appuie. On pose. Et on fait ça avec tout le reste de la pâte. Une fois que j'ai fait toute ma pâte en boule, je mets du papier sulfurisé et je la laisse reposer 15 minutes jusqu'à 30 minutes. Pendant ce temps, je vais faire la charba. Maintenant, je vais faire la charba pour 6 personnes. Il me faut 2 carottes coupées en deux, une demi-courgette, un oignon, du poulet ou de la viande. Moi, j'ai utilisé le reste de la viande de l'Aïd. De la purée de tomates, ou vous pouvez prendre une tomate râpée. De l'huile, une bonne quantité de coriandre, du sel, du double concentré de tomates, du curcuma, du poivre noir, du gingembre, du piment et de la menthe sèche. Et aussi, pour la fin, il nous faudra des cheveux d'ange ou des vermicelles, plus de citron. Dans un fitou, je vais mettre la viande, je rajoute les légumes, de l'huile, le sel, la coriandre, les épices. Et tout ça, je le mets sur feu doux. Et là, je vais le faire risotter. Je vais faire risotter tout ça. Après que ça a bien risotté, je viens ajouter la purée de tomates. Et aussi le concentré de tomates. Après, je laisse un peu et après je rajoute de l'eau bouillante. Après un peu de temps, je viens rajouter de l'eau bouillante. Vous pouvez rajouter quand vous voulez si vous en avez besoin. Et pour le sel, vous rajoutez à votre goût. Vous mettez petit à petit. Si vous mettez tout d'un coup, ça sera amer, votre manger ne sera pas bon. Après 30 minutes, j'ai laissé ma pâte à semoule reposer. Je viens la verser. Pour cela, il me faut de l'huile et du beurre. Je mets de l'huile sur mon plan de travail. Et je prends ma pâte et je commence à l'étaler. Je l'étale en forme de cercle. Du milieu, je le mets sur les côtés. Il faut bien l'étaler. Je mets du beurre. Et je viens commencer. Je prends une borne.
et je la mets au milieu. Et je fais. À chaque fois, je prends le bord et je viens le mettre au milieu. Je la mets de côté. Je viens en ouvrir une deuxième. Je viens l'étaler plus grande que la deuxième, que la première. Je mets du beurre. Je prends la première que j'ai faite, je la tourne et je la mets au milieu. Et je fais pareil. Je prends le bord, je le mets au milieu et là où ça se plie, eh ben je viens le prendre et je le remets au milieu. Et on fait ça. On peut faire 4, 5 couches, comme vous voulez. C'est comme vous voulez souhaiter. Et je la mets de côté. Et j'en fais encore une pareil. Moi j'en fais trois maintenant. C'est vous qui voyez. Je dois l'étaler plus grande que la troisième. Une fois que je l'ai étalée plus grande que la deuxième, je viens mettre du beurre. Et je rouvre celle-ci. Et je refais pareil. Je le mets au milieu, où ça se plie, je le reprends, je le remets au milieu et je fais ça. Pour les couches, moi je vais en faire 3, mais bon, vous pouvez en faire 4 ou 5, c'est à vous de voir. Et maintenant, je la mets de côté et je fais ça avec le reste de la pâte. Je vais vous laisser avec toutes les photos de ces étapes. Je fais chauffer une poêle ou un tagine ou ce que vous avez et je mets de l'huile sur mon plan de travail et je viens étaler ma pâte. Il faut qu'elle soit ni trop fine ni trop épaisse, comme ceci. Il faut que ça soit un rond. Comme vous voyez, elle est ni trop épaisse ni trop fine. Et je la mets sur ma poêle. Après que ma viande elle est cuite, je l'ai mis de côté, j'ai passé ma sauce à la passoire et j'ai mis aussi mes légumes de côté. Je vais maintenant les passer au mixeur. Une fois que j'ai fini de mixer mes légumes, je viens les mettre dans la sauce. Je viens presser les citrons, un citron.
et je rajoute les cheveux noirs. Et je mélange. Je laisse 5 minutes à feu doux. Et j'éteins le feu. Et je rajoute aussi un petit peu de coriandre que j'ai coupé en morceaux. Voilà ma semaine prête. Je vais vous en ouvrir une pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. C'est chaud. Regardez comment c'est bien feuilleté, il est bien croustillant. La semaine, vous pouvez l'accompagner comme moi avec de la chorba, de la soupe, ou bien avec du café ou du miel. Voilà, ma chorba, elle est prête. Regardez, elle est parfaite. Et aussi ma semaine. Essayez-les, vous n'allez pas le regretter. Et si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire, je répondrai à toutes vos questions. Et bon appétit à tout le monde! Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Merci, bon appétit et à la prochaine!